1, 2, 3, 4. Le soleil brille, le ciel est bleu, et je m'approche vers la frontière américaine pour commencer cette belle aventure. Moi, depuis l'adolescence, je suis devenu vraiment un amoureux de la langue française. J'ai toujours été francophone, mais c'est vraiment à l'adolescence, quand j'ai presque perdu mon français, que j'ai découvert cet amour pour la culture puis la langue. Là, mon but, c'est de découvrir ces communautés francophones qui existent à travers les États-Unis. Ces communautés qu'on connaît un peu moins. Moi, comme franco-ontarien, je pensais qu'ils ont descendu en Ontario, peut-être qu'ils ont resté dans les frontières canadiennes, mais ils vont percer les frontières. Puis... voir s'il y en a toujours. Voir qu'est-ce qui reste. Voir s'il y a même des robitaires, on sait jamais. Woohoo! USA! Lucille, ok. Et vos noms de famille, vous pensez? Moi, j'étais une cire. Une cire. Et je suis mariée à Monsieur Bois. Monsieur Bois, ah, Lucille. Comme du bois franc. Oui, oui. du bois mou. Bonjour, c'est Aline Poulin. Aline Poulin. Je viens de la Beauce, oui. De la Beauce, hey. Ah, oui, c'est bonjour, ça va bien? Monsieur Laurence. Monsieur Laurence, un plaisir, c'est Monsieur Robitaille. Ma mère était Nadeau. Oui. Elle était canadienne. Et elle demeurait à Légis, Nouveau-Brunswick. Mon père était Albert Cyr. Et lui venait de Saint-Jean, proche de Fort Kent, Maine. Puis, direct au bord de la rivière de ma mère. Et comme ça, l'hiver, quand il est la voir, il marchait sur la glace pour arriver là. Autrement, dans l'été, il voulait qu'il fasse un tour au pont sans venir. Hey, c'est beau, ça ferait une belle chanson, ça. J'attends l'hiver pour aller voir mon amoureux, c'est ça? Oui.